Alors là. Bonsoir, Julio. Je suis Michel Jackson, le sosie français de votre ami et rival, Michael Jackson. Malheureusement, sosie français de Michael, ces jours-ci, ça ne marche pas fort. J'ai beau dire à tout le monde, nous sommes le monde, nous sommes les enfants, on ne me prend pas au sérieux. Il faut dire que mon titre locomotive, c'est la version française d'une chanson de Michael, Bad. C'est devenu mauvais, et à force de m'entendre chanter « Je suis mauvais, mauvais, oh oui, je suis mauvais, mauvais, oh oui bon. », bien peut-être que le public finit par me croire sur parole. Mais là, en vous voyant, j'ai une idée, Julio. Vous êtes le plus grand vendeur de disques du monde. Peut-être aurais-je intérêt à devenir votre sosie français à vous. On m'appellerait Jules Église. Tout irait mieux pour moi. Plus de singes, plus de boas à nourrir. Madame Yanazette, la directrice de la banque où je travaille, m'augmenterait. Oui, autant elle déteste Michael, autant vous, elle vous adore. Elle dit, oh, avec cet homme-là, je me sentirais capable de tout. Enlever ma chemise de nuit, laisser la lumière allumée, peut-être même éprouver du plaisir. Oui, j'aurais tout à gagner à devenir votre sosie français. Problème ? Pour devenir sosie de Michael, il m'a fallu faire certains sacrifices. Vous voyez ? Non, vous ne voyez pas. Comment expliquer ? Si vous voulez, vous n'avez pas changé. Vous êtes toujours resté ce jeune homme étranger. Moi, c'est le contraire. Je veux cesser d'être cet étrange jeune homme que je suis devenu par amour pour Michael. Oui, je sais, en amour, il faut toujours un perdant. Enfin, moi, dans l'affaire, je n'ai pas gagné souvent. J'ai même perdu gros. Oh non, gros. En tout cas, j'ignorais que l'on pouvait souffrir autant. Aujourd'hui encore, ma cicatrice me taraude. Tenez, ça me reprend là, excusez-moi. Pardonnez-moi. Je suis désolée, Julio. Les gens croient que je danse, mais en fait, ce sont des spasmes. Du coup, si je devais devenir votre sosie, il faudrait remettre certaines choses à leur place. Oui. Comme vous êtes copain avec El Cordobés, s'il avait dans sa collection une paire de, comment on dit en espagnol, coronés de taureau, dont il ne se sert plus, c'est avec plaisir que je me les ferais greffer. Ainsi, je pourrais vite sortir un disque intitulé « Chaleur ». On y trouverait bien sûr mon succès « Mauvais », ça donnerait ça. Yes, oui, mauvais, mauvais. Oh oui, yes, oui, mauvais. C'est pour vous donner l'esprit. Car, Julio, moi aussi, à ma façon, comme vous, comme Michael, je suis un mendiant d'amour. Et j'espère que le public m'en donnera plus quand je vous ressemblerai.